Domo France a un public senior important. C'est 8 500 locataires qui ont plus de 65 ans. Et le choix de Domo France est de se dire quelles solutions nous pouvons apporter à ces publics pour leur favoriser le maintien à domicile. Et il est apparu très vite qu'à côté de cette problématique, se posait la question de la précarité énergétique. Et il se trouve que dans nos relations avec Alogia et EDF, nous avons trouvé un partenariat qui permettait de packager une offre répondant à ces deux problématiques. Une problématique de maintien à domicile, de traitement du confort, de traitement de l'adaptation du logement dans la durée, pour permettre à ces publics de rester dans le temps sur place, et de traiter la quittance en favorisant le traitement et l'économie d'énergie qui était essentielle pour le budget de nos clients. Donc avec Alogia et EDF, Domo France a trouvé les partenaires idoines pour répondre à ces sujets et à ce vrai sujet sociétal qui, je l'espère, apportera une réponse dans le temps très positive pour nos clients locataires de plus de 65 ans. Chez Alogia, on est spécialisé dans l'accompagnement de personnes seniors. Et donc, on intervient au domicile de ces personnes-là. De par nos interventions dans le domicile, on se rend compte que l'énergie va influencer soit positivement, soit négativement sur l'état de santé de la personne. C'est pourquoi aujourd'hui, au sein d'Alogia, on a décidé d'avoir vraiment ce volet énergétique en sensibilisant les personnes aux éco-gestes et puis en apportant également des conseils sur les dispositifs financiers qui existent et notamment les chèques énergie pour venir lutter contre la précarité énergétique des personnes seniors.